Comment serait le monde sans les inventeurs? Bienvenue sur Data Center. Vous êtes-vous déjà demandé qui se cachait derrière certaines inventions qui ont marqué notre histoire? Et si je vous disais que parmi, il y avait des noirs? Et pourtant souvent ignorés. Dans cette nouvelle vidéo, découvrons leurs contributions incroyables qui ont façonné notre monde moderne. Je vous présente le premier, c'est Lewis Latimer. Lewis Latimer, un inventeur afro-américain du 19e siècle. Il a joué un rôle crucial dans le développement de l'éclairage électrique. Il a travaillé avec Thomas Edison pour perfectionner la lampe à incandescence et a créé le premier fil de carbone pour cette lampe. Le deuxième que je vais vous présenter, c'est Granville Wood. Granville Wood était un inventeur afro-américain du 19e siècle, pionnier dans le développement de la télégraphie ferroviaire et de l'électricité. Il a inventé plus de 50 dispositifs pour les chemins de fer, y compris le système de communication entre les trains. Je vous présente le troisième, Elijah McCoy. Elijah McCoy était un ingénieur afro-américain et inventeur prolifique. Il était connu pour ses nombreuses améliorations dans l'industrie ferroviaire. Il a inventé un dispositif de lubrification automatique pour les machines à vapeur qui a été utilisé dans les locomotives et les navires. Je vous présente le quatrième, Garrett Morgan. Garrett Morgan est un inventeur et entrepreneur afro-américain du 20e siècle. Connu pour ses innovations dans la sécurité routière, il a inventé le masque à gaz ainsi que le feu de circulation à trois positions. La cinquième, ah oui, il y a des femmes, Mary Van Brittain Brown. Mary Van Brittain Brown était une inventrice afro-américaine, pionnière dans la conception des systèmes de sécurité à domicile. Elle a inventé le premier système de sécurité à domicile avec caméra de surveillance. Le sixième que je m'en vais vous présenter est Lonnie Johnson. Lonnie Johnson est un ingénieur afro-américain, inventeur du Super Soaker et pionnier de l'énergie solaire. Le Super Soaker est un pistolet à eau très populaire dans les années 1990. La septième, ah, encore une femme. C'est Sarah Eagood, était une inventrice et entrepreneur afro-américain du 19e siècle, connue pour son invention du lit pliant. Créé en 1885, le premier lit pliant a permis aux familles d'économiser de l'espace dans les petits appartements. Le huitième, c'est Percy Julian. Percy Julian était un chimiste afro-américain dont les travaux ont conduit à des avancées majeures dans la synthèse des médicaments. Il a inventé un traitement synthétique pour la cortisone qui a été utilisé pour traiter de nombreuses maladies, y compris l'arthrite. Le neuvième que je vous présente, c'est Alice H. Parker. Encore une femme, oui. Alice H. Parker était une inventrice afro-américaine qui a breveté le premier système de chauffage central à gaz en 1919. Et en dernier, le dixième que je vous présente, Jan Ernst Matzinger. Originaire du Suriname, Jan Ernst, un inventeur afro-américain, il a révolutionné l'industrie de la chaussure. Car la fabrication qui était avant manuelle, il a automatisé. Cette vidéo a mis en lumière 10 inventeurs noirs oubliés, témoignant de leur ingéniosité et de leur créativité. En dépit des obstacles de l'époque, leurs contributions importantes dans divers domaines ont été négligées. Mais leur héritage doit être célébré et honoré pour inspirer les générations futures. C'est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir suivie. Pour ne rater aucune de nos vidéos, merci de vous abonner à la chaîne. Et si le cœur vous en dit, de partager. Ça aide la chaîne pour son développement et son référencement. Nous apprécions votre soutien. Merci à tous. Rendez-vous à la prochaine vidéo.